Amis bayonnais, amis bayonnaises, amis de Bayonne, amis des fêtes de Bayonne, qui que vous soyez, ou d'où que vous veniez, vous êtes bien sûr les bienvenus ce soir pour ce moment très particulier, intitulé « Il était une fois les fêtes ». Dans l'esprit de ce que nous avions déjà fait l'an dernier, nous avons souhaité, au nom de la commission des fêtes aussi, et avec l'appui des artistes dont je vais vous parler tout à l'heure, que la veille des fêtes de Bayonne, à l'endroit précis où nous aurons 25, 30 000 personnes sur cette place de la Liberté demain soir à la même heure, nous puissions partager l'esprit des fêtes. Et peut-être nous interroger aussi sur ce que sont ces fêtes, puisqu'à force de les faire, d'y participer, on finirait par oublier d'où elles viennent et d'où nous venons par définition lorsque nous faisons la fête. Eh bien, incontestablement, depuis 1932, puisque c'est la date initiale des fêtes de Bayonne, parmi les éléments constitutifs des fêtes de Bayonne, il y a ce que vous allez voir, entendre et vivre ce soir. Et je voudrais à ce propos, en premier lieu, remercier très fortement et au nom en particulier des musiciens de l'harmonie bayonnaise, mais aussi au nom des gaiteros du Roi Léon, les gigantes de Tafalla qui nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. Parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une démarche exotique, il s'agit de rappeler à ceux qui veulent savoir d'où nous venons que nous n'aurions rien fait concernant en particulier la présence de la gaïta et des géants dans nos fêtes de Bayonne sans que nous ayons pris exemple en particulier sur ce qu'ils ont produit en Navarre. Donc je veux leur dire ici au nom de toutes et tous que nous savons d'où nous venons et que nous savons ce que nous leur devons. Thank you.
Comme vous le voyez, ça n'a l'air de rien, mais les danseurs, puisque c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, des rigates de Tafalla sont en train, subrepticement, de se glisser dans les géants qu'ils portent. Alors on n'est pas là, bien sûr, pour parler d'une compétition ou de performance circassienne, mais enfin, je veux quand même vous dire que ce qu'ils ont sur les épaules avoisine les 40 à 45 kilos. Et que par conséquent, les porter, c'est une chose, danser comme ils savent danser avec ces géants, c'est une toute autre affaire. Et cette affaire, il faut la leur laisser, car nous regardons ces danseurs et ces géants s'exprimer avec encore beaucoup de modestie de ce côté-ci de la frontière. Un jour, nous saurons aussi. Pour l'instant, il faut avoir l'humilité de les regarder. Alors ils vont danser sur des rotas, ils vont danser sur un fandango, ils vont danser sur tout ce qui fait notre culture ici, et puis ils termineront sur un air qui ne peut pas vous laisser insensible, même si vous venez de l'autre bout de la France, c'est le Evoac qui fait frémir le stade Jean Daugé tous les 15 jours et qui ne manquera pas de nous porter au bouclier le Vrénus de cette année. Il y a quatre fous rires de trop à mon avis, mais bon. On a le droit d'y croire. Le principe du début d'une compétition, c'est d'être tous à égalité. Sinon, c'est pas la peine de la faire. Bon, alors, je persiste et je signe. Je suis convaincu qu'à la façon dont Jean Daugé chante cet Evoac, il y aura une force supplémentaire qui nous propulsera vers le titre de champion de France de top 14. Sans trop rêver et avec l'harmonie et l'égalité rose du Roi Léon, je vous demande de regarder avec admiration ce que les géants de Tafalla sont capables de faire sur ces musiques qui nous appartiennent. We'll be right back.
Un grand bravo, mais un bravo du cœur aux danseurs en particulier qui se sont parfaitement livrés sur cet EVOAC qui nous touche, qui nous parle, que l'on soit basque ou que l'on ne le soit pas, puisque la thématique du poète est magnifique. Je vous rappelle qu'il s'agit de cet oiseau qui veut s'envoler et qui, parce qu'on l'aime, se voit donner l'autorisation de s'envoler. Aimer les gens en respectant leur liberté et sans leur couper les ailes, ça peut être naïf, mais c'est surtout un poème qui dit bien des choses sur notre capacité à aimer jusqu'au bout, jusqu'à supporter quelquefois la liberté de l'être aimé, de s'en aller. C'est magnifique, c'est EVOAC, et qu'on comprenne les paroles ou qu'on ne les comprenne pas, comme par hasard, lorsque la musique est aussi belle, elle nous touche profondément, les uns, les unes et les autres. Simplement vous dire quand même que derrière nous, nous avons une photo absolument magnifique. Voilà. Comme on est entre nous, comme c'est une veillée sur le sens que l'on peut donner à nos fêtes, je veux simplement vous rappeler que vous avez derrière nous les pionniers des fêtes de Bayonne. Ceux sans lesquels, rien de ce que nous vivons aujourd'hui et qui met 1 200 000 personnes dans nos rues de Bayonne à partir de demain ne serait possible, n'aurait été concevable. Ils n'étaient pas nombreux, ils sont le fils d'une petite bourgeoisie bayonnaise, quelquefois de gens beaucoup plus modestes de notre ville. Ils se sont donné un jour rendez-vous à Pampelune, dans des conditions de mobilité assez précaires. Vous pouvez l'imaginer, le col du Mélaté, il fallait le traverser. Et les moyens de locomotion n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Peu importe, ils sont revenus de Pampelune avec cette image, cette conviction que cette fête de rue pouvait aussi être la nôtre. L'inspiration a été géniale et c'est à eux et à eux seuls que l'on doit cela. Ils sont dans le sillage, faut-il aussi le rappeler, du premier titre, du second titre de champion de France de l'aviron bayonnais. Tout cela vit ensemble, tout cela c'est l'histoire de Bayonne, 13, 34 et 43, les trois titres de champion de France, avant le quatrième qui arrive l'année prochaine, comme je vous l'ai dit. Pour conclure cette première partie, je ne résiste pas au plaisir de vous dire que parmi les gaïteros que vous voyez là, vous n'avez rien d'autre que le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, de l'homme qui se trouve au centre de cette photo barrée d'une croix, qui lui faisait partie de ses pionniers. C'est ça la tradition, et c'est ça les fêtes de Bayonne. A tout à l'heure. Je voudrais que l'on salue en particulier nos amis danseurs de Viguilaria qui font un travail remarquable durant tout l'été, mais qui là sont venus dans un état d'esprit un peu particulier. Merci à nos amis lusiens. Je connais beaucoup de lusiens qui seront présents dans les rues de Bayonne pendant les fêtes. Et par contre, ceux que je connais n'ont pas la qualité des danseurs que je vois ce soir. Comme quoi, les lusiens continueront toujours de nous surprendre. Merci en tout cas à cette jeune association qui défend remarquablement la danse basque, avec une tenue, une exigence technique, en fait des éléments qui font qu'on est très loin du folklorisme que certains peuvent quelquefois imaginer dans les stéréotypes propres au Pays Basque. Là, il y a le fondement précis de ce pourquoi nous aimons encore danser dans nos fêtes. Et de temps en temps, il est bon que les meilleurs d'entre nous nous le rappellent à travers ce qu'ils ont pu produire et ce qu'ils produiront encore durant cette seconde partie. Je vous demande donc de les applaudir très très fort. C'est la jeunesse dansante de notre Pays Basque. Les géants que nous avons face à nous, certes, ont été les inspirateurs incontestables de tout ce qu'on a pu vivre ici, mais il faut rappeler un mot quand même concernant nos géants. Nos géants, c'est dans les années 80 qu'ils arrivent à Bayonne, grâce à une conjonction de phénomènes qu'il faut de temps en temps peut-être préciser. Rapidement, sachez qu'il y avait, là je m'adresse aux plus jeunes, une chanson en France dans les années 50, dont on a eu honte à Bayonne pendant 15 ans, et c'est ridicule, parce que ça a été la plus connue de notre ville, pourquoi ne pas l'assumer ? Ô Léon, Léon, roi de Bayonne, roi des couillons, absolument. Nous avons parfaitement assumé cette chanson, jusque d'ailleurs à ce que ça devienne un formidable succès grâce à un film comique
des années 60 qui s'appelait Allez France, avec Henri Jeunesse et les plus grands comiques de l'époque. Darry Cole m'en parlait avec émotion il y a encore quelques années. Bref, Léon, roi de Bayonne, roi des couillons, ça nous donne une idée dans les années 80, qu'on doit d'ailleurs à l'association Orcompone, pour permettre aux jeunes et aux enfants de trouver un sens à la fête. Nous allons réveiller le roi Léon, nous allons créer un roi Léon, en l'occurrence avec Jean Duverdier, le dessinateur humoristique de Bayonne. Jean Duverdier, Orcompone, l'idée de cette chanson, nous avons un roi à Bayonne depuis, il sera là. Me dit-on, il est déjà assis derrière le dé, mais je ne suis sûr de rien, parce que je connais ses habitudes et je serais surpris qu'il soit déjà derrière. Enfin, on verra bien demain soir à 10h. Quoi qu'il en soit, ce roi Léon, ce roi des couillons, fait en sorte que tous les matins des fêtes, plus de 3000 enfants se retrouvent sur cette place de la Liberté pour le réveiller, mais surtout pour assurer la transmission de nos fêtes et trouver l'idée de la transmission à travers ceux qui sont à l'origine même de ces fêtes en 32. C'est un fil conducteur que je me devais de vous rappeler ce soir. Entre la Navarre et Bayonne, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des histoires qui se rencontrent. Merci à toutes et tous, je vous laisse avec l'harmonie bayonnaise et bien entendu les Gaïteros du Roi Léon. Thank you.
Bien sûr, par ces Gigantes de Tafalla qui ont assuré cette danse dans un tourbillon dont nous serions peut-être incapables sans avoir apporté 45 kilos sur le dos. Eux, ils font tout en même temps. Ils quittent le plus vite possible les jupes de leurs géants pour respirer derrière. Et surtout, ils sont au rendez-vous de la défense de la tradition, la haute tradition de ces géants. Nous devons beaucoup à ces hommes et à ces femmes-là, et nous tenions une nouvelle fois à leur dire un grand gracias, un grand milejker pour leur venue à Bayonne. Apparemment, il y a quelques imprévus au bon sens du terme. Les Tafalleros font bien les choses. Pour ceux qui sont déjà allés dans leur ville, ça ne sera une surprise pour personne. C'est une ville où on est toujours bien accueilli, où on mange remarquablement, où on boit très bien. Ils offrent le pañuelo, le foulard d'honneur de leur ville, aux gaiteros du Roi Léon et aux chefs de l'harmonie de Bayonne. Tout un symbole de la fraternité qui nous unit
et de ces fêtes qui ne font que commencer. Pas de fête sans fraternité, nous démontrerons pendant 5 jours et 5 nuits, bien entendu. Il n'y a pas de fête sans sens, il n'y a pas de fête sans perspective, c'est certainement ce qui nous différencie de beaucoup de ceux qui veulent nous copier. J'avais en particulier au bout du fil tout à l'heure un journaliste qui ne me parlait que d'alcoolémie. Je lui ai dit, ne venez pas jusqu'à Bayonne pour ça, il y a des balles de la région parisienne qui suffiront amplement. En revanche, les fêtes, ça reste à Bayonne. Et ce sera demain. Merci à toutes et tous, un grand bravo. Une grande reconnaissance à l'harmonie qui sera de tous les combats jusqu'à dimanche. Les officiels et les non-officiels, parce qu'ils sont aussi très opérationnels après les prestations officielles, sachez-le. Et n'oublions jamais que rien n'aurait été possible non plus sans ces pionniers des années 30. Un dernier coup d'œil sur cette photo qui fait date et qui fait histoire. Nous ne sommes rien sans histoire. Elle est là et nous lui donnerons vie dès demain soir. Merci à toutes et tous et bravo.